Thank you.
sur place. Bonsoir Camille. Alors dites-moi dans quel état d'esprit se trouve le pénitent ce soir? Bonsoir Maëlys. Alors au plus proche de l'adresse, on avait Renato Carpaio, le président Prima. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi l'état d'esprit des fidèles là? La marche sur feu est tout juste terminée. Hein. La marche sur le feu, on sort d'un carême de 10 jours qui était des prières tous les soirs, tous les matins les prières. On respecte un carême végétalien où on ne mange pas de viande du tout. Et arrivé au moment de la marche sur le feu, comme ce soir, les fidèles ont un stress. On ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas un stress, ils ont un stress. Mais la foi les emmène à faire à passer cette épreuve et à ne pas pouvoir pas traverser le brasier. Procession après 10 jours de ferveur. Donc une marche sur le feu en l'honneur de la déesse Carly. Ah oui, à la Réunion, on marche sur le feu pour les déesses, on marche pour la déesse Pandjali. Ici, c'est pour la déesse Carly. C'est le temple, il y a une dizaine d'années, qui a été créé. Et on marche pour la déesse Carly. C'est unique à Saint-Denis, la marche sur le feu pour la déesse Carly. Alors, semaine aussi pour le nouvel an tamoul, c'est ce jeudi 14. Qu'est-ce qui est prévu? Oui, ce vendredi 14. Vendredi 14. Bah, là, la communauté tamoul, en fin de compte, nous sommes dans un carême, toujours dans le carême. L'hindouisme nous demande ce carême-là. Et après, il y aura des festivités au temple, des festivités culturelles au temple, mais aussi chez les particuliers où ils feront une petite cérémonie chez eux. Ils auront des gâteaux ou des mets indiens en gros pour partager autour d'eux. Et c'est le partage qui marque le genre d'amour. Merci beaucoup, monsieur Carpaille. Bonne soirée à vous et merci. Voilà pour cette semaine.